Qu'est-ce qu'il y a dans les trous de Bob l'éponge? Même moi, je ne sais pas. Mais si tu veux y entrer, je vais devoir devenir beaucoup plus gros. Comment je peux te faire grossir? Donne-moi à manger, je vais gonfler. Ok les amis, j'ai une mission pour vous. On doit préparer le plus gros banquet jamais vu pour nourrir Bob l'éponge. Mais on n'a pas assez de nourriture. Alors je vais vous donner à chacun d'entre vous une canne à pêche. Et on va pêcher comme des fous. Allez vite, c'est parti. Il nous faut une plateforme pour pêcher. Comme vous pouvez l'observer, la plateforme est entourée d'eau. Du coup ça va être très très simple. Il suffit d'avoir une petite plateforme sur laquelle on va pêcher un maximum de poissons pour nourrir Bob l'éponge et qu'il devienne tout simplement énorme. Oula oula oula, qu'est-ce que c'est que ça? Faites attention à ce que vous faites spawn. Du coup comme ça on va pouvoir faire grossir énormément Bob l'éponge. Et comme ça on pourra rentrer à l'intérieur des trous de son éponge. Ça va être exceptionnel. Bon du coup aussi j'ai besoin d'une petite équipe qui construit une immense table de banquet pour le nourrir avec un maximum de nourriture autre que ce que l'on va pêcher. D'ailleurs on va pêcher de poissons. Ok ok c'est parfait. Du coup l'homme cagoulé et le player de Poppy Playtime s'occupent de la table de banquet. Et moi pendant ce temps là avec Kilowatt le requin rose et Pingu le pingouin, on va aller pêcher du poisson et tout un tas de trucs que j'espère Bob l'éponge va aimer manger pour qu'il grossisse vraiment énormément et qu'on puisse rentrer à l'intérieur de ces trous d'éponge et que l'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être exceptionnel, let's go. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, mais attends, mais c'est de la nourriture. Oh waouh, d'accord, ok ok. Bon bah nous j'espère que on va... Quoi, t'as dit quoi? Mais attends, c'est de la bière sans alcool j'espère. Ah oui, du jus de pomme, ok ok, parce que sinon c'est pas bien du tout hein. Voilà, moi j'ai envie que ce soit en forme Bob l'éponge. Ok, bon c'est parti, let's go. Ok 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 ok. Hop, c'est parti, là regardez. Eh bien c'est bon, on peut descendre. Oh là 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 là, et là du coup je vais pouvoir pêcher ici, je vais sortir ma canne à pêche. Quoique là je suis peut-être un petit peu haut. Oui, effectivement, on va attendre que Pingu finisse. Let's go. Regardez Bob l'éponge, je suis sûr qu'il a très très hâte de manger. Il faut qu'on lui donne un maximum à manger. D'ailleurs je crois que Bob l'éponge, il faudra qu'on le trempe de temps en temps dans l'eau, parce que sinon il se dessèche et après il devient un petit peu fou. Du coup vous allez découvrir tout ça dans cet épisode, ça va être exceptionnel. Voilà, donc c'est parti. Ok, moi je vais sortir ma canne à pêche. Regardez, j'ai sorti ma canne à pêche, et exceptionnel. C'est bon, let's go. Oh waouh, ok. Et là du coup regardez, je vais lancer mon hameçon. Ok, bam, let's go. Voilà, je pêche, exceptionnel. Et là du coup tout le monde va pêcher avec moi. Et bien regardez, Kilowatt, le requin rose et Pingu, voilà, qui va pêcher lui aussi. Donc voilà, il faut qu'on pêche un maximum de choses. Ok, il faut observer en fait si le bouchon il coule. Si le bouchon coule, eh bien ça veut dire que j'ai attrapé quelque chose sur ma canne à pêche. J'espère que oui. Et pendant ce temps là le player de Poppy Playtime ainsi que l'homme cagoulé vont préparer un énorme banquet. Et du coup Bob l'éponge va pouvoir commencer à manger, et petit à petit on va le voir grossir jusqu'à devenir énormissime. Ça va être une véritable dinguerie. Ok, let's go. T'as commencé à pêcher aussi Pingu? Ok, je viens de te voir. Ok c'est bon, j'ai chopé quelque chose. Ok, un caillou. Ah, c'est nul Diabolo, c'est nul. J'ai attrapé un caillou, mais c'est quoi? C'est tout pourri. Bah, il mange des cailloux peut-être. Mais bah on va aller voir ça. Ok, est-ce qu'il peut manger un caillou? On va aller voir ça tout de suite. Je vais lui ramener un caillou. Non, mince. Oula, 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 non, 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 non. J'ai détruit. J'ai détruit le bâton. J'ai détruit le bâton. Tu peux remonter par là, j'ai fait en sorte. Ça mange le bout. Tout s'écroule. Non, non, tout s'écroule, au secours. Oh, au secours. Bien joué, Diabolo. Bon, moi j'allais voir du côté du banquet pendant que vous réparez ça. Non, mais eux ils ont rien compris par contre. Non, mais eux ils ont rien compris du tout. Hein. Le banquet, faut qu'il arrive à la bouche de Bob l'éponge. Là, vous voulez qu'il aille manger comment là? En gros, faut que lui il reste sur place et qu'il mange, il mange. Du coup, là, il faut que la table elle arrive à Bob l'éponge. Faut pas qu'elle soit sur le côté. Parce que plus il va être gros, moins il va pouvoir se déplacer. Et là, du coup, c'est du gros n'importe quoi. Non, il faut refaire ça. Il faut refaire ça. Il faut que la table vraiment elle aille de la bouche de Bob l'éponge jusque à nous au niveau du ponton. Comme ça, on a juste à amener la nourriture sur la table et lui il a juste à se goinfrer comme ça. Bon bah c'est parti, let's go. Je vais tenter de pêcher quelque chose de mieux qu'un caillou. On va voir si ça fonctionne. Let's go. Allez, attention, je vais balancer mon hameçon. Ok.
Hop là, c'est bon, j'ai balancé. Ok, là j'espère pêcher un gros poisson. Kilowatt, t'as pêché quoi pour l'instant? Rien du tout, Diabolo. Ok, bah écoute, moi j'espère pêcher un gros poisson pour lui donner à manger, voilà, et qui se goinfre jusqu'à devenir énormissime. Ok, let's go. Bon, ok. D'ailleurs, faudrait essayer aussi si Bob l'éponge pour le faire grossir. On peut pas juste simplement le mettre dans l'eau, genre pour voir s'il grossit avec l'eau, vu que c'est une éponge. En vrai, peut-être que ça peut fonctionner. Ok, est-ce que mon bouchon plonge ou non? Non, il plonge pas. Ok, allez vite, plonge. Il faut que je chope un gros poisson. D'ailleurs, on peut choper, je crois, tout type de choses. Hein. On peut même choper des zombies. Voilà, et du coup, ce serait terrifiant si je pêche un zombie. Il arrivera sur la plateforme et il voudra tous nous contaminer. Ce sera vraiment terrifiant. Bon, allez, let's go. Il faut absolument que je pêche quelque chose. Pour l'instant, je ne pêche rien du tout. C'est terrifiant. Oh, ah, ok. Du bois. Oh, du bois. Bon, bah, on va voir si Bob l'éponge, il aime manger du bois. Peut-être en vrai de vrai. Ok, attention, attention. Et moi je vais aller voir bientôt s'ils ont bien fait leur travail. Tu peux l'amener sur la table du banquet du coup. Voilà, on va amener un maximum de choses sur la table du banquet. Eh, Kilowatt, tu pêches rien ou quoi? Bon, moi non plus en vrai de vrai. Non, non, non. Mon bouchon il veut pas couler. Les gens, non, c'est impossible. Bon, faites le pari les abonnés en commentaire de ce que je vais pêcher prochainement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du bois, du métal. Ça peut être un déchet comme un gros poisson ou encore un zombie. Donc donnez-moi vos idées en commentaire. Ok, let's go. J'ai pêché quoi? Un morceau de verre, une bouteille en verre. Ok, cassé. Bon bah, on va ramener ça à Bob l'éponge, hein. On va ramener ça à Bob l'éponge et on va voir si il va s'en nourrir. Non, 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 je l'ai fait tomber. Ah, voilà. Là, c'est parfait. Regardez, Bob l'éponge, il a plus qu'à se servir au bout de la table. Voilà, vous lui mettez vraiment un maximum de nourriture. Et lui, comme ça, il a juste à se goinfrer avec tout. Et il va grossir petit à petit. À mon avis, la prochaine fois que je vais retourner le voir, il aura grossi. On va mettre un objet à côté de lui pour voir vraiment le voir grossir en direct. Voici un tonneau radioactif comme ça. Et bien là, on voit qu'il est un petit peu plus petit que ce tonneau. Et s'il grossit, et bien on le verra puisqu'il grossira plus grand que ce tonneau. Du coup, let's go. Ok. Oh, wow. Ah oui, il y a à manger là. Ah oui, il y a à manger. Oh, waouh. Eh oui, ok, sûr. Que du gras en plus. Ok, ok. Il va bien une manger. Une bouteille de sauce. Ah, une bouteille de sauce. Ah non, c'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Ah, d'eau. Ouais, oh, water bottle, c'est écrit dessus. Ok, bon, let's go. Ça, bon, en vrai, faut toujours qu'il. Ah, mais c'est bien en plus. S'il boit de l'eau, il va peut-être grossir vu que c'est une éponge. Ok, nice. Bon, moi, c'est parti. On y retourne. Ok. Let's go. Et là, je pense que la prochaine fois que j'aurai pêché quelque chose, lui, à mon avis, il aura déjà bien grossi parce que là, il commence à se goinfrer. Oh, okay, ok, un morceau de bois, tout pourri. D'accord. Moi je rebalance ma canne à pêche. Let's go. C'est parti. Hop là, voilà. Ok, ma canne à pêche est à l'eau. Et maintenant j'espère pêcher quelque chose rapidement. Allez bouchon cool. T'as pêché quelque chose Pingu? Qu'est-ce que t'as pêché? Mais j'ai rien pêché du tout. Ah oui, ton fil est juste en train de s'emmêler dans le ponton. Oh non, c'est moi qui tombe là. Il tombe à l'eau Pingu. M'auto-pêche. Ok, ok. Diabolo. Ouais, qu'est-ce qui se passe Kilowatt? Qu'est-ce que t'as fait? Je crois qu'il y a un problème avec Bob l'éponge là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi avec monsieur Bob? Il a séché. Viens voir vite vite vite. Il a séché. Bah, il me semble bien. Ouais. Ah, attends, j'arrive, je vais mettre dans l'eau peut-être. Ok, ok. Bon, j'ai le temps de rien pêcher, c'est pas grave. Ok. Regarde-le. Oh waouh, non, il a séché, regardez-le. Oh, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il faut le mettre dans l'eau parce que là, il est tout asséché. Ok, let's go. On va le plonger dans l'eau. Ok, oula, 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 c'est bon. Ok, voilà. Je l'ai mis dans l'eau et là, du coup, il va beaucoup mieux. Voilà, ok. Et je vais le remonter. Oula, 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 oula. Par contre, vraiment, il est tout glitché. On va le remonter doucement. Et là, regardez, il va beaucoup mieux. Il danse et tout. Voilà, ça, c'est mon Bob l'éponge. Mais du coup faut pas le laisser en dehors de l'eau trop longtemps. Faut faire attention. Bon allez mange, dépêche-toi Bob l'éponge. Je vais aller retourner pêcher. J'ai l'impression même carrément il a 10 minutes de taille, c'est pas possible. Allez let's go, c'est parti. Il faut le motiver à manger hein. J'espère qu'il a faim aussi. Bon allez c'est parti, je vais prendre une nouvelle canne à pêche. Et let's go, wow, c'est parti. Du métal. Moi aussi. Je sais pas si ça va l'aider à vraiment à manger, mais bon on va voir ça tout de suite. Ok, du coup je pêche, je me frotte les mains. Let's go, j'espère pêcher quelque chose d'énorme. Un énorme poisson ou quelque chose de gigantissime. Du métal encore. Ok, du métal. Oh, c'est vraiment let's tout pourri. Go. Allez, j'espère que ça va pêcher quelque chose de bien là. J'attends que mon bouchon il plonge. Décidément, là où je suis, il y a vraiment rien. C'est super ennuyeux. C'est pas possible. Ah, t'as pêché encore un morceau de bois. Non mais. Ouais. Il y a aucun poisson ici ou quoi? C'est quoi le délire là? Je comprends pas. Oh what? Oui. La mouette, elle a volé ton morceau non. de bois. What? D'accord. C'est de la viande un et peu moi, la mouette. J'ai toujours rien pêché. Oh j'avoue, si vous choper la mouette, en vrai c'est de la viande pour Bob l'éponge ça, hein. En vrai pas mal, pas mal. Ok, ok, allez, allez, allez. Il faut que ça pêche là, j'en peux plus. Au pire, je vais relancer ma canne à pêche, c'est pas grave. Je vais aller voir déjà si Bob l'éponge il a grossi. Oh, attends, j'avais pêché quelque chose, non j'avais rien pêché. Je vais aller voir du coup si Bob l'éponge il a grossi. Allez, let's go, c'est parti. Oh oui, il a commencé à grossir. Ok, waouh, le banquet de fou furieux. Pizza, pain, poulet, cookies.
Attends, non, c'est pas du cookie, ça c'est quoi ça? C'est tarte. Une tarte, ah oui, c'est voilà, des, exactement. C'est des pizzas cookies, une tarte. Non, mais là, waouh, oh, le gros fromage. Waouh, il y a tellement de choses. De la pastèque. Bon, ça, de la pastèque, ça fait pas beaucoup grossir. Quoi, c'est de l'eau, la pastèque. C'est gorgé d'eau. Donc en vrai, il y a un monde où ça fait grossir. Mais déjà, regardez, il a grossi, hein, puisqu'il est plus gros maintenant et plus grand que le tonneau. Donc il commence à grossir. Ok, et je pense que ça va aller de plus en plus vite. Il y a du poulpe, t'as pêché du poulpe? Non, wow, c'est la mouette. Ah non, c'est la mouette, ok. Comment j'ai pu confondre ça avec un poulpe? Non mais vraiment. Bon bah du coup voilà, ok, la mouette, maintenant il va la manger. Il y a de l'ananas, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Waouh, ok, il y a tellement de choses, des frites, de la glace. Ok, il y a des petits pots de glace et tout. Ah, ça, ça fait bien grossir, les petits pots de glace. Bon bah let's go, c'est parti, on y retourne. On va pêcher, là, cette fois-ci, il faut que je pêche vraiment quelque chose d'énorme. Allez, let's go Diabolo, il faut que tu pêches quelque chose d'énorme. Allez, 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 c'est parti. T'as pêché quelque chose d'intéressant, Kilowatt, ou toujours pas? Non, rien, okay, du tout. Bon bah moi, je pêche plus rien, c'est juste déprimant. J'ai juste envie de regarder Bob l'éponge se goinfrer et grossir. 5 minutes later. Ok, j'ai pêché quelque chose, enfin, je regardais plus tellement je m'ennuyais. Et là du coup j'ai pêché une bouteille d'eau. Ok, ouais, pas terrible. Bon, on va retourner voir Bob l'éponge. Voilà, ma bouteille d'eau, elle est juste ici. Je la prends, let's go. On va l'amener à Bob l'éponge. Ok. Oh, Bob l'éponge, il a encore grossi, hein. J'en suis persuadé, il a encore grossi. Genre vraiment, là il est en train de grossir, hein, parce que là il commence à être vraiment beaucoup plus gros que le tonneau. Ok, ça c'est mon Bob l'éponge. Il commence vraiment à grossir, ce Bob l'éponge. Ok, ok, waouh. Mais attendez, mais c'est quoi qui est en train de cramer là? Waouh. Oh, mais attendez, mais vous êtes en train de... C'est un barbecue, un gros grill. Ok, et oui, wow, et à la cuisine là. Ah ouais, mais ça fume de fou, hein. Ça fume de zinzin. T'inquiète, c'est normal, c'est... T'inquiète. Ah ouais, ça doit être bien toxique, les viandes là. Elles doivent être bien toxiques. Ok, bon allez, on retourne tenter de pêcher quelque chose d'intéressant. Let's go, c'est parti. Et attention, hop là, j'ai lancé. Ah, ça vient de pêcher du côté de Kilowatt. Ok, un truc tout pourri, un petit morceau de métal. Il n'y a aucun poisson ici, c'est une dinguerie. Je pense que je vais changer de spot, je vais peut-être aller de l'autre côté là-bas. Attends, je vais remonter ma canne à pêche, let's go. Et je vais tenter un nouveau spot parce que là vraiment, c'est la grosse déprime, hein, cette pêche. Elle est vraiment déprimante. Heureusement qu'il y a Bob l'éponge qui grossit. D'ailleurs, on va retourner le voir. Ça se trouve, il est encore plus gros. On va voir la taille de Bob l'éponge. Waouh, ok. Ah oui, là, il grossit. Là, il mange bien, là. Ah oui, Bob l'éponge, vraiment, il se remplit la panse. Hein. Ah, il y a un peu moins de fumée du côté des barbecues. Ça va. On a un petit problème. Oula, mais je crois que vraiment, dans la viande, il y a beaucoup de gras, hein, parce que ça fait beaucoup de feu. Hein. C'est bien enflammé. Bon, en tout cas, là, vraiment, il grossit sévère. Hein. Bob l'éponge, là, il commence à être vraiment énorme. Je vais retenter mon coup avec les cannes à pêche, mais je suis sûr que là, d'ici peu de temps, Bob l'éponge, il va être énormissime. Genre vraiment, non, je suis tombé à l'eau. Non, je suis tombé à l'eau. On va remonter. Allez, ah. Ah, comment est-ce que je remonte? Je peux plus remonter. Attends, là ici je peux remonter. Non, je suis dessous. Attendez, on va prank Kilowatt. Oh, oh, j'ai mordu l'hameçon. J'ai mordu l'hameçon. Ouais, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. C'est moi, Kilowatt. Let's go. Oh, bon, allez, je vais remonter sur le ponton. Let's go. C'est parti. On balance. Attention, attention. Let's go. C'est parti. Allez, ça pêche, ça pêche, ça pêche. On attend, j'espère que ça va bien pêcher. Allez, bouchon. Cool. C'est pas possible. Vraiment, je perds tout espoir dans cette pêche. Heureusement qu'il y a le gros banquet et qu'au-dessus, il y a le player de Poppy Playtime et l'homme cagoulé qui donne beaucoup à manger à Bob l'éponge. Très bientôt, on pourra rentrer dans les trous de son éponge. Ok, bon, j'ai définitivement perdu espoir en cette pêche. Oh, en plus, la mouette me l'a volée. Ok, je vais la viser avec mon pistolet. Ok, let's go. Je tire sur la mouette. Ok, ok, ok. D'ailleurs, je suis toujours transformé en Sonic. Quel plaisir. Je vais m'en occuper, Diabolo. Vas-y, vas-y, vas-y. Essaye de l'avoir. Ok, ok, vas-y. Il faut qu'on arrive à l'avoir. Comme ça, je la chope et je vais la donner à manger à Bob l'éponge. Tu l'as eu? C'est bon, je l'ai eu. Attends, elle est où? Elle est tombée dans l'eau? Je vais la chercher, je vais la chercher. Ok, attends. Je vais la chercher avec toi. Ok, c'est parti, let's go. Oh, allez, let's go, t'es un requin, tu peux le faire. Let's go. Voilà, c'est bon, c'est ma mouette. Let's go, je la ramène. Ok. Incroyable, hop, attends, vas-y, bah vas-y, ramène-la à Bob l'éponge. On va voir s'il a encore grossi, mais je suis sûr qu'il a encore beaucoup grossi. Let's go. Allez, Bob l'éponge, non, non, vite, il faut mettre Bob l'éponge.
l'éponge à l'eau. Let's go. Ok, on va remettre Bob l'éponge à l'eau. Allez, c'est parti. Hop, tu vas faire trempette. Voilà. Vite, vite, vite. C'est bon. Ok, ça va mieux. Par contre, Bob l'éponge est vraiment devenu beaucoup plus énorme. Pourquoi est-ce qu'ici il y a de l'eau toxique? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il puisse boire en fait. Ah oui, d'accord. Ah, oui, là, ici, il y a une paille, il peut boire. En fait. Il va commencer à devenir énormissime. Hein. Déjà là, ça commence à être vraiment énorme. D'ici peu de temps, on pourra sans doute rentrer à l'intérieur des trous de l'éponge. Ok, ok. Bon, vas-y, continue de le nourrir avec de l'eau. Mais pourquoi toxique? Tu veux tuer Bob l'éponge ou quoi? Non, mais t'inquiète, je pense qu'il s'en fout toxique. Okay, ok, d'accord, bon bah c'est parti. C'est qu'en fait on n'a pas le temps de nettoyer tout. Moi je fais vraiment une dernière pêche les abonnés. Vraiment c'est mon dernier espoir cette pêche. Voilà, et après vraiment je le laisse grossir à vue d'œil. Allez, c'est la dernière pêche de l'espoir. Let's go, vraiment. Là si je pêche rien du tout, eh bien on arrête complètement de pêcher. J'espère vraiment que je vais pêcher quelque chose d'incroyable. Allez, on observe. Oh oui, direct, mais non, mais c'est du bois. C'est du bois. Eh bien les espoirs sont terminés de mon côté. Voilà, je vous laisse pêcher une dernière chose, Kilowatt, et Pingu. Mais là, moi je vais aller voir du coup Bob l'éponge grossir à vue d'œil. Mais moi j'ai que du métal aussi. Que du métal, non mais vraiment aucun poisson, c'est terrifiant. Hein. Ok, waouh. Ma dernière pêche. Waouh, mais vraiment il est en train de grossir à vue d'œil. Hein. Vraiment, je vous le dis, il est énorme. Hein. Waouh, ok, il est vraiment énorme. Il y a de plus en plus de choses, n'importe quoi à côté de Bob l'éponge. Pourquoi est-ce qu'il y a une fusée et des missiles? Non mais vraiment, ça n'a aucun. Waouh, mais attends, mais pourquoi est-ce que le feu il est violet rose comme ça? Qu'est-ce que pour la viande. Oh, mais attendez, mais c'est quel type de viande que vous faites cuire là pour que le feu ne soit de cette couleur? Vraiment, c'est. Elle est pas humaine, la viande. Ah ouais, non, mais vraiment là, c'est terrifiant. Ok, ok, ok. Bon, on continue de voir Bob l'éponge grossir les abonnés. Ouah, toute la nourriture. Mais attendez, mais c'est vraiment une dinguerie. Oh, tous les pots de sauce et tout qu'il a terminé. Non, mais vraiment. Il a tout mangé. Mais il continue de grossir en plus. Vraiment, c'est une dinguerie. Il est tellement énorme maintenant. Ok, ok. Bon, les abonnés, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on fasse une petite le temps qu'elle devienne énormissime et que l'on puisse rentrer à l'intérieur de ces trous d'éponge. A tout de suite les abonnés. 20 minutes later. Nous y est. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je me retourne les abonnés? 3, 2, 1. Voilà Bob l'éponge. Il est énormissime. Et là on peut rentrer à l'intérieur, genre vraiment facilement. Du coup bah c'est parti. Il faut juste faire une petite rampe jusqu'à l'un de ces trous. Voilà par exemple celui à droite là, regardez. Celui-ci, je pense qu'on peut rentrer à l'intérieur. Bon bah let's go, c'est parti. Bah bah voilà, une rampe avec le missile. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Bon bah vas-y, c'est parti. Est-ce que je peux monter sur le missile? Voilà, le fait pas exploser pendant que je suis dessus. Ok, let's go. Voilà. Et là, je vais rentrer à l'intérieur. Il faut que je trouve le bon timing. Ok, let's go. Ok, c'est bon. Je suis à l'intérieur de Bob l'éponge. Ok, ok. Est-ce que tout le monde a suivi? Oui, c'est bon. Regardez, il y a le player de Poppy Playtime, Pingu, l'homme cagoulé. Et où est Kilowatt? Où est-ce qu'il est? Il est pas là? Kilowatt? Kilowatt? Je crois qu'il a pas osé venir. Non, il est pas là. Mais c'est je crois qu'il a pas osé venir, il a pas de courage. Oh non, il n'est pas rentré à l'intérieur de Bob l'éponge. À moins que l'éponge se soit réduit et du coup il a pas pu rentrer, je sais pas. Bon, où est-ce qu'on se trouve? Ok, j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur de l'estomac de Bob l'éponge. Puisque regardez, il y a des burgers. Il y a des burgers, il y a même bien tout simplement un gâteau d'anniversaire. Oh, il y a de la viande. La viande que vous faisiez cuire sur le grill. Voilà, sur le barbecue. Elle est là, regardez, on va aller la voir. C'est véritablement de la viande, voilà, qu'il y avait sur le barbecue. Voilà, on la voit, incroyable. C'est exactement elle. Ok, ok, par contre, oula, ça brûle un peu. Je suis dans l'acide de l'estomac. Ah, ça brûle, ça brûle. Il faut que je remonte. Ok, ok, il va falloir qu'on remonte. Waouh, en tout cas, nous sommes directement à l'intérieur de l'estomac de Bob l'éponge. Waouh, mais qui est-ce? Bonjour. Bonjour, Diabolo, ça va? Mais et qui es-tu? C'est moi, Carlo. Carlo? Mais non, c'est pas toi. Si, si, c'est moi, tu Carlo. Tu ressembles à Carlo, mais regarde, t'as une grosse calvitie et tout là. Regardez, tourne-toi, tourne-toi. Ouais. Regardez-moi cette calvitie de l'espace. Non, c'est quoi lui? C'est qui? C'est moi, Carlo. Carlo? Tu veux que je fasse sortir d'ici? Bah, vas-y, Pingu, viens, viens avec nous, Pingu. Non, mais attends, mais c'est qui? Je connais le chemin. Vas-y, vas-y, bah, attends, mais il veut nous faire sortir d'ici? Je le trouve. Suivez-moi, suivez-moi. Bon, on va le suivre. Ok. On le suit. Oula, il est plutôt louche. Il y a un mec qui ressemble à Carlo, mais en même temps qui est pas Carlo. Attends, mais comment est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut qu'on aille? J'habite ici, Diabolo. Ok, vous lui faites confiance ou pas, les mecs? Bah, pas trop, non. Mais ouais, il est vraiment
Suivez-moi, suivez-moi, je connais la sortie. On le suit, ok, let's go. Ok. Ouah, il est terrifiant, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il veut nous amener, mais du coup, on va le suivre. Il peut nous faire sortir de Bob l'éponge et comme ça, on va retrouver Kilowatt. D'accord, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas trop, ok. Waouh, on arrive où là? C'est un petit peu haut, c'est un petit peu haut, sautez. Est-ce que vous êtes prêts à sauter tout le monde? Ok, je vais sauter. Allez. Ok. Mais sautez tous. Ok, tout le monde a sauté. Incroyable. Ok, on va continuer. Venez. Oula, faut le suivre ici. C'est quoi ça? Attention. T'inquiète. Pas ici. Ça sent pas très bon, hein. Je préfère pas y aller. Ok. Bon. C'est pas ici la sortie. On continue de te suivre. Effrayant, d'accord. Ok. Non, mais vous lui faites confiance vraiment ou pas? Parce que moi, je sais pas. Vraiment, on est obligé de le suivre. On est vraiment obligé de le suivre. Ok. Bon, ok. Ok, sautez. Mais où est-ce qu'il nous amène? Oh là là. Où est-ce qu'il nous amène? Je sais pas vraiment. Et là, on doit sauter encore. Faites attention au trou. Oui. Non. Faites attention au trou. Il est tombé de l'île. Le player, il a sauté. C'est un piège, Zéro, c'est un piège. Oh waouh, wow, c'est un piège. Non, c'est un piège. Il faut monter, On peut pas monter. Non. Oh, Diabolo saute. Non, mais attendez, mais c'est quoi? On dirait la cuvette de toilette. C'est un piège, Diabolo. Non, mais éloigne-toi, toi. Éloigne-toi. Je vais glisser. Non, tu vas glisser. Non. Pingou est en train de glisser. Non. Il a glissé. Le goulou. Il nous a piégé. Méchant, tu nous as piégé. Je glisse. Saute, Diabolo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What? Mais ce sont... Ok, je ne préfère pas y penser. Waouh, les mecs, on se retrouve dans les toilettes, mais quelle horreur. Bon bah voilà, on s'est littéralement fait piéger par un faux Carlo à l'intérieur de Bob l'éponge, les abonnés. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Peut-être que là, du coup, il va tirer la chasse d'eau. Et après, on va se retrouver je ne sais où. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Il y a deux vidéos qui s'affichent, choisis celle que tu préfères.